Bonjour à tous et bienvenue sur un jeu qui a l'air extrêmement reposant. Va-t-il être reposant? Non, parce que moi, je suis surexcité. Ça n'a pas de sens. Donc on me l'a envoyé gratos parce que je l'ai demandé, donc ça m'avait l'air cool. Et vous avez même un lien, normalement, j'en reparlerai parce que je ne suis pas sûr. Normalement, vous avez un lien dans la description pour acheter le jeu qui n'est pas encore sorti. Peut-être qu'il le sera au moment où cette vidéo sera sortie, je ne sais pas. Mais avec mon lien, en gros, je reçois un petit peu d'argent si vous l'achetez via mon lien, donc voilà, c'est pour ça. Mais achetez-le que ça vous intéresse, hein, on va voir si le jeu est bien. Mais on a l'air, donc qu'est-ce que ce jeu? On va faire, maintenant, on va parler comme la pub me l'a présenté, et ensuite on va parler comment moi je vais vous le présenter. Donc, la pub nous dit, c'est un jeu entre Animal Crossing et un jeu un petit peu d'exploration, de survie, où on arrive sur une nouvelle planète. On la colonise, on récolte des ressources, on crée des robots qui vont coloniser notre place et on bouge de planète et voilà, c'est ça, on automatise tout, c'est super, c'est la fête. Cependant, voilà comment moi je vais vous le décrire. Je suis un astronaute, mon but est de coloniser les planètes en construisant des robots dessus pour qu'ils récoltent des ressources pour moi. Oui. Désolé, ça s'appelait YOLO, hein, faites pas gaffe. Je vais construire des robots pour qu'ils récoltent des ressources et les donne à mon empire spatial pour que je puisse dominer l'univers. Et oui, parce que mon empire a des gens pour être pilote, mais ils ont peut-être de ressources, et donc ces robots vont récolter toutes les ressources pour que je domine l'univers, que je viole femmes et enfants, et que je puisse détruire tout ce qui est moche. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, évidemment. Bref, mais plus sérieusement, non, c'est un jeu vraiment extrêmement kawaii, hein. Genre moi je fais le malin, mais en vrai je suis un peu dégueu. Alors... Bienvenue, je suis Auto0, je suis là pour vous préparer à votre vie d'autonaute. Autonaute, pas astronaute. Explorer, ramasser des ressources, regarder des bâtiments, des outils, des machines, automatiser des systèmes, développer des industries, faire de la recherche, coloniser. Allons coloniser. Alors, d'accord, on casse pour bouger, logique. Zoomer, dézoomer, très bien. Ça se joue comme un MOBA, hein. J'ai déjà testé très vite fait parce que je me suis retrouvé comme un con à pas comprendre ce qu'il fallait faire pendant le tutoriel. Donc, je sais à peu près. Alors, il faut explorer, donc il faut aller dans les zones d'ombre. On va aller par là. J'ai décidé que... Voilà. J'ai décidé que... Oh, attendez, ça va faire une grande zone d'exploration, ça. Et j'ai déjà exploré un petit peu avant qu'il me le demande, en fait. Oups. Ah, voilà, j'explore. Nous allons maintenant passer à l'essentiel. Alors, trouve une pierre. Alors, un caillou, là-bas. Caillou. J'arrive. Ah, là, il y en a un autre. Voilà, il est plus proche. Hop. Donc, je peux le mettre dans mon inventaire. Voilà, je peux le stocker ou m'en servir comme outil. Ensuite, si j'appuie sur Alt et que je passe ma souris sur un truc, je peux voir ce que je peux y faire. Donc là, je peux voir qu'avec un caillou, je peux pas frapper un bâton. Alors que si, je peux frapper un arbre, sinon. Pas besoin de cette pierre maintenant. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le sol. Ok, donc. Bam, je pose. Voilà. Vous maîtrisez les bases de toute évidence. Oui, ça me semble à peu près logique. Au fur et à mesure que votre technologie évolue, vous débloquerez des plans pour construire des bâtiments, des machines et plus encore. Cliquez sur l'icône ou appuyez sur E pour... Ok. Pour accéder à mes plans. Ok, donc là, j'ai une table de craft. D'accord, donc ça va être un truc un peu gestion. Ça va être plus un jeu entre gestion, Animal Crossing et jeu d'aventure en fait, c'est très bizarre. Je ne saurais expliquer comment ça marche. Alors on va la mettre là, ma table. Fermer le menu. Alors il faut ramasser les pièces, donc il me faut deux bûches et deux bâtons. Donc voilà, un bâton. Hein? Attendez, cliquez le bouton droit. Ah ok, là, le bouton droit. Hop, hop. Ensuite j'ai une bûche. Voilà, il y en a une autre là-bas. Ok, bientôt j'aurai plus à faire ça. Hein. Ce sera mes robots qui s'occuperont de le faire à ma place. Enfin, peut-être. Je sais pas du tout comment ça marche. On va voir. C'est vraiment un jeu qui plairait à Tenebi, je suis sûr. Vraiment à jouer à des jeux comme ça sur sa chaîne. Je vous dis que sur un atelier, vous pouvez fabriquer des outils et des pièces de base. Ok. Avec quoi un meilleur outil pour couper les arbres? D'accord. Fais voir. Donc, hache, comment je fais? Pierre bâton. D'accord. Rien de plus compliqué. Pardon, rien de plus simple, je meurs. Waouh! Cool, votre premier outil. Cliquez sur l'arche. Ok, je l'ai. Je vais la ranger. Voilà. Je peux découper des bûches pour en faire des planches. Ok. En avant, on va créer des planches. J'ai un peu de mal avec les contrôles, mais je vais m'habituer. Découper la planche pour faire des poteaux. Les planches et les poteaux sont des pièces essentielles pour les bâtiments, machines et robots de base. D'accord? Robot de bois, c'est stylé ça. Vous avez bien compris le truc du bûcheron, d'accord. Maintenant que vous savez fabriquer des pièces de base, agrandissons votre atelier. Construisez un nouveau bâtiment. Ah, j'adore construire, c'est super. Station d'assemblage de robots. Ouh. Tiens, on va la faire là. On va la coller.
Voilà, il me faut quoi? Deux bûches, trois planches. Ok, donc on va prendre une... Non. J'ai failli la couper. Voilà, ne pas couper. On l'emmène. Pas besoin de poteau apparemment. Ok, donc on va couper des arbres. Je peux couper des arbres avec ma hache? Ouais, ça marche. J'adore comment le... Comment le les feuilles s'enlèvent plus tu coupes. Bam. Ok, parfait. Et je pense que ça c'est pour replanter les arbres. Ouais, graines d'arbres, c'est ça. Est-ce que je peux planter? Apparemment, je n'ai pas encore ce skill. Est-ce que je peux couper les troncs d'arbres? Non. Ok, donc bûche. Donc il m'en faut deux. Donc il va me falloir encore couper un autre arbre. C'est pas grave. Je gère. La fougère. Hop. Il n'y a pas d'autres trucs qui traînent. Alors là, il y a des buissons. Est-ce que j'aurai besoin de manger plus tard? Je ne sais pas. Hop. Ma hache commence à prendre cher. Hein. Niveau durabilité, pas ouf. Hop. Très bien. Attendez, hop. Faut que je coupe ça en planches. Voilà. Je commençais, moi, j'étais en mode... Waouh, épique et tout. C'est, mais genre, en réalité, dans ce jeu, il est juste tellement reposant que... En vrai, je fais le malin, mais c'est bien mieux comme ça. Waouh. Et c'est comme ça qu'on construit, en piétinant. Cet atelier de robot de base est votre porte d'entrée vers l'automatisation. Est-ce que je pourrais faire un robot bûcheron? Robot de base, une bûche, trois planches, un poteau, une graine d'arbre. Facile. Facile. Alors, une graine d'arbre. Là-bas, il y a un poteau. Une bûche et trois planches. Il va me falloir couper encore plein d'arbres. Oula, attendez, mince, j'ai pas ramassé. On va ramasser les deux, d'ailleurs, deux poteaux. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Il me faut des planches. Hop là, parfait. Il est vraiment cool ce jeu, je regrette pas d'avoir pris. Enfin, je sais pas, après je suis qu'au début, mais... Il m'a l'air vachement clean. Hop. En vrai c'est fun, hein. Vraiment, ça fait un moment que j'ai pas joué à un petit jeu comme ça. Je m'amuse bien. Genre... C'est reposant en fait, genre moi j'arrivais en mode ouais on va rendre ça épique parce qu'il faut que tout le monde s'amuse, on va faire un truc drôle, non juste le jeu est parfait comme ça, il est magnifique là. Ok donc hop, planche, on va poser tout ça. Et une bûche, dès que je peux dégager ces graines d'arbres, je le fais, parce que là c'est mal rangé, ça me plaît pas. Ok donc là ça fait un robot, est-ce qu'il va pouvoir peut-être planter, replanter pour moi, faire tout ça en fait. Tout ce que j'ai la flemme de faire là. Alors, ouh, il est magnifique. Il est en bois. MK0001. Bouton gauche pour le recharger pour la première fois. What? Comment je l'ai rechargé? Autonaute! Rassemblement! Avengers! Désolé. Vous êtes prêts pour à commencer à automatiser, d'accord? Mais il peut marcher ce robot? Ou c'est juste... celle-là, on dirait un mixeur. Hein. Notre nouveau robot a besoin d'une hache. Alors, faisons-en une, d'accord? Un caillou. Est-ce qu'on a caillou illimité? Parce qu'il y a bien un moment où on va manquer de cailloux. Je suppose que je pourrais casser cette montagne à un moment. Mais j'aime pas les jeux où tu manques de ressources à un moment. Moi j'aime bien avoir ressources illimitées. Comme ça tu peux faire ce que tu veux en fait. Plutôt que d'être bloqué et de devoir réfléchir. Réfléchir, c'est trop dur. Hop, tiens, prends. Il a une hache. Prêt à partir. Appuyez sur espace pour siffler et attirer l'attention de votre robot. D'accord. Cliquez avec le bouton gauche sur votre robot pour accéder à son cerveau. Qui est actuellement vide, comme le mien, ça tombe bien. Cliquez sur enregistrement pour montrer à votre robot ce qu'il doit faire. Ah, on crée des scripts comme ça. C'est drôle, il a 12 KO disponibles. Eh, c'est fun. Je suis désolé, c'est innovant, c'est vraiment une mécanique qu'on voit pas ailleurs. Ok, donc là je vais faire un truc. Montrer à votre robot comment utiliser une hache. D'accord, donc je vais lui apprendre... Erreur réessayée. Mais j'ai rien fait. Donc on va couper un arbre. Regarde robot. Regarde et apprends. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. T'as compris? Arbre à proximité de la zone. Déplacer vers arbre, utiliser l'objet tenu. C'est super. Cliquez sur répéter pour effectuer une boucle au script que vous avez créé. C'est vraiment du vrai script. Vraiment, moi qui code. Parce que je vais faire des jeux plus tard. Voilà, pour les trois qui ne servent pas encore une fois. C'est vraiment comme ça que ça marche en réalité. Hein. Pour toujours jusqu'à avoir les... Ouais, c'est le principe. Hein. C'est drôle. Et là, il va faire tout seul. Votre robot ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas épuisé sa puissance, cassé son outil et qu'il n'aura plus de cible dans sa zone de recherche. Pas mal.
Maintenant que nous avons un robot qui coupe des arbres pour nous, automatisons ça encore plus, nous allons avoir... Nous n'avons pas besoin de voir le cerveau de ce robot Bref, on le ferme. Enfin, faire un nouveau. Notre premier robot fournit des ressources brutes. Ok, toujours le même robot à ce que je vois. Donc il me faut... Il me faut une planche. Non, il me faut plus de planches que ça. Attendez, on va poser. Ça va être compliqué d'optimiser tout ça, mais je pense que je vais m'habituer. Tracker de robot. Ah d'accord, ok, je vois comment ça marche. Ok, tac. Donc j'ai les planches. J'ai le poteau. J'ai la graine d'arbre. Il faut que j'aille me chercher une bûche. Ça va plus vite hein, d'un coup dès que le robot s'occupe de tout ça. Non, pause. Voilà, et une bûche. Et je crois que le robot a fini son travail. Ok. Faudra qu'on ait un robot qui puisse tout replanter. Comme ça, ils seront... Je pense que c'est ce qu'on va m'apprendre à faire. Comme ça, j'optimise vraiment, vraiment le truc. Je suppose que du coup, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va le recharger, ok. Tac. Ton deuxième robot est prêt à être formé. Et vous aurez besoin d'une bêche rudimentaire. D'accord, parfait. Donc, on dirait bien que c'est ce que je pensais. Ouais, pierre bâton. On dirait bien que ouais, c'est une bêche. Donc, il va sûrement pas faire des cultures, mais replanter les arbres. Comme ça, on fait un truc... On voit un truc optimisé, quoi. Un robot qui coupe, un autre qui replante. Ou alors, il va peut-être enlever juste les troncs d'arbres. Ok, bon, on va lui donner. Et... Au pied! Enregistrement... comment creuser des trous? Mais j'ai pas de... J'ai pas de bêche, moi. Erreur recette. Attends. Annule tout. Parce que moi, je n'ai pas de bêche, en fait. Je vais peut-être lui prendre la bêche qu'il a dans les mains, mais dans le doute, moi je vais m'en faire une autre. Voilà. Je vais poser ma hache ici. Alors donc, robot, je te montre. Alors, faire un trou. Donc, bah on va le faire ici. Hein. Ah, c'est beau. Merde, j'ai pas dit d'enregistrer. Ok, enregistrement. On va le faire là. Ah, il a une grande zone, cool. Voilà, tu comprends. S'il y a un sol, tu creuses. Les repères dans des zones définies que vous pouvez modifier. Cliquez sur le bouton zone. Ah, donc on peut faire ça. Zone maximale. Ah ouais, pas mal. Ah, je vais peut-être le bouger du coup. Ah oui, je peux. Voilà, je préfère que ce soit comme ça. C'est pas mal là. Cliquez sur répéter pour ajouter une boucle au script du robot, oui, et démarrer. Regardez donc ce robot aller et venir. Gestion forestière de base. Par exemple, un autre robot pour prendre lui. Ah, ok, donc un troisième robot qui crée des. D'accord, donc il me faut un troisième robot. Qui lui va s'occuper de faire le reste. Alors, par contre. On va commencer. Ok, donc bref, on va prendre les bûches. Je me perds. J'ai très peu à optimiser, mais déjà il faut que je réfléchisse. Mais attends, ça se plante tout seul. J'ai l'impression que ça se plante quand il creuse là où il y a déjà une graine. Je sais pas, c'est peut-être juste moi. Peut-être qu'il l'a dans son inventaire. Je sais pas. En tout cas, là on va faire un robot qui va planter, donc en avant. Dommage que les robots puissent pas tout faire. Je pense que quand on aura des robots plus avancés, on pourra tout faire. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai pas proposé, mais maintenant que j'y pense. Dites-moi si ça vous intéresse comme aventure. Et si vraiment vous êtes ultra hypé par cette série que vous voulez que je la continue. Sinon je ferai juste un seul épisode et j'y jouerai de mon côté. C'est vraiment comme vous le sentez. Je vais peut-être le faire en stream après aussi si jamais vous voulez que je continue. Parce qu'en stream c'est vraiment un jeu qui passerait bien. Et un poteau donc c'est parfait parce que là-bas il y a une planche. Oh j'aurais dû la prendre. Je vais prendre la dernière planche. Voilà. Ok donc il enlève aussi les troncs d'arbres apparemment. Ok 1, 2, 3, hop. Je coupe ça, on va mettre un poteau. Voilà. Non, je fais n'importe quoi. Voilà. Tac. On le recharge. Je commence à comprendre le truc. Siffler. Alors, son cerveau. Enregistrement. Faut que je trouve une graine. Donc, tu trouves une graine. Bouton droit de la souris pour y déposer les graines d'arbre et en faire pousser un nouveau. Déposer. Genre dans un trou, je suppose. Ok.
Donc on va te dire, voilà, tu cherches dans cette zone, c'est très bien. Comme ça, tu cherches dans cette zone. Comme ça, voilà. 3 proximités, tu cherches dans cette zone aussi. Et une boucle, voilà. Et là, normalement, c'est durable. Tutoriel terminé, vous venez d'obtenir votre premier certificat. Cool, et un succès. Le petit autonome chéri à sa maman, cool. Voici votre dalle commémorative pour le certificat base de l'académie. Ah, j'ai une dalle à chaque fois que j'ai un succès. Cool, j'aime bien, c'est drôle, je vais avoir un totem géant à la fin. Ok. Ma première gestion forestière. Tous les plans et pièces... ok, donc c'est des quêtes. Donc j'ai des nouveaux plans, maintenant je sais faire une pioche. Ouh, je vais apprendre des trucs vachement complexes plus tard. Hein. Ah, ça c'est plus de mémoire pour un robot. Ok, donc je vais apprendre pas mal de trucs. Lame, blablabla, torche, fourche. Bref, on verra ça plus tard. Hein. On n'est pas encore à faire à manger. Là, on est encore dans couper, creuser, planter. Mais attendez, mais je viens de faire ça. Ok, donc ça, c'est le tuto. D'accord. On va regarder vite fait ce qu'il faut que je fasse. Ah, il faut que j'abatte des arbres, que je creuse et que je plante. Ok, donc ça va se faire tout seul, en fait. J'ai terminé votre formation en tant qu'autonaute. Je retourne au vaisseau, mais je serai là pour surveiller vos progrès. Nice. Ok, donc moi j'ai envie d'observer un petit peu les robots faire. Juste un petit peu récupérer, voilà, je vais récupérer les ressources qu'ils ne vont pas prendre. Parce que les bâtons, ils vont pas les récupérer. On va se faire un petit stock, voilà. Et personne n'enlève les troncs d'arbres. Je pense qu'avec une pelle... Ah, ça passe avec une pelle, hein. Est-ce que je demanderais pas en plus au gars qui fait des trous d'enlever les troncs d'arbres? Ah mais ça fait des trous déjà de base. Ok, donc je sais pas pourquoi il fait pas des trous partout. Je sais pas du tout. Ça me trouble. J'aimerais bien enlever les troncs d'arbres mais sans qu'il y ait un trou. Est-ce que je peux reboucher un trou? On dirait. Non, là, je suis en train de l'agrandir. Ah non, je l'ai rebouché. On va reboucher, on va laisser travailler. Oh, il a plus de piles. Oh non, elle, elle a plus d'outils. Bon, on va les faire taffer. Il faut abattre 3 arbres. Donc lui, il a pas de taf, donc il va falloir lui donner du taf. On va le... Ouais, on va le bouger. MK1, ta zone ne va pas du tout. Là, je te fais une... Non, c'est... Je te pose... Et sur enregistrer pour éditer. Donc enregistrer. Zone maximale. Et voilà... C'est bien comme ça. Voilà, et tu peux repartir. Parfait. Donc on va les laisser on va les laisser travailler. Mais là ils ont un problème. C'est que donc lui n'a plus de piles. Et lui... Non, lui il a pas d'outils de base, donc tout va bien. Pour l'instant les outils on s'en sort. Je vais quand même aller cueillir les cailloux qui traînent. Voilà, ça c'est à moi. Hop 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 hop. Il y a une poule aussi, pourquoi pas. Voilà, donc caillou, voilà, là il y a des bâtons. C'est réussi. J'ai une plaque. Ouais, une dalle. Ouh. Remis à vous. Bloc de coupe. Bloc de coupe. Ouh, c'est pour qu'ils coupent d'eux-mêmes. Cool. Aussi une nouvelle série de plans à compléter. Et des... Oh là, j'en ai beaucoup. Et le certificat à gagner. D'accord. Donc il faut que je fabrique une tonne d'outils. Donc ça serait bien d'avoir un robot qui automatise la création d'outils. C'est compliqué. Il faudrait un robot qui récolte les matériaux, genre bâtons, etc. Et un qui construit, mais j'ai pas envie qu'il construise trop non plus. Il faut optimiser le truc, hein. Il faut être intelligent. C'est pour ça que je pense que c'est mieux en stream comme jeu. Parce que c'est assez lent et ça serait mieux si j'avais vos conseils à côté. Faut faire 2 blocs de coupe, ranger des bûches, couper des rondins, ranger des planches... Ok, donc il va falloir que j'automatise tout. Hein. Et là, ça va se faire tout seul. Extraction, pierre extraite, ranger pierre. Ok. Là, plus de robots, robots qui a appris, plus de 3 robots constitués. Ok, d'accord, c'est plus complexe. Comment, je peux pas créer un bâton? Non, faut juste les trouver. Hein. Ok, ou en coupant les arbres, peut-être qu'il y en a qui tombent. Je vais me faire une toison, laine.
je peux planter des trucs. What? Je peux créer un colon. Je peux créer un colon. Avec un incubateur à colons et une graine de colon. Je peux créer des gens à Walp qui vont vivre ici avec les robots. C'est drôle. Bloc de coupe du coup, c'est une hache et... D'accord. Et ça à quoi? Aucune idée, donc on va tester ça. Alors, bloc de coupe. Là, tiens, c'est proche comme ça. Donc, une bûche et une hache. Donc, ma hache est cassée, donc je sais pas si ça va passer. Non, ça j'ai empilé. Je pense pas. Ah, si, ça m'autorise. Et une bûche, donc. Ça taffe en tout cas ici, c'est pas mal. Faudra un robot qui ramasse les trucs. Bloc de coupe. Comment ça marche? Planche, poteau. D'accord, donc c'est effectivement, je pense, pour optimiser, pour que les robots... D'accord, fassent de même, d'accord. Attendez, est-ce que mon cerveau est en train d'essayer de comprendre? En fait, il nous lâche dans le jeu, là, il faut se débrouiller. Après, c'est pas comme dans Cubeworld, on te lâche dans le jeu et t'arrives pas à te débrouiller, là, c'est on te lâche dans le jeu. Mais c'est assez instinctif, du coup, grâce au tuto. Enfin, une pioche. On va la poser à côté. Je vais me faire une hache. Parce que j'en ai plus. J'aime bien ce jeu quand même. Je sais que je dis beaucoup mais en vrai il y a du potentiel. Je sens que les niveaux d'après. Enfin les niveaux d'après. Je sens qu'après ça va être plus dur. Alors, à quoi me sert ma pioche? Attends, j'ai ramassé. Oui c'est bien même ma pioche. Mouton. Il est en train de tout manger. Comment je... C'est trop gros comme caillou ça? Ouais, on dirait que c'est trop gros. C'est vrai que c'est trop gros et je ne vois pas d'autres... Ah tiens, cette roche je peux la casser par contre. Qu'est-ce qu'il dit Ah il a plus de pelle, il a plus de pelle. Pas de soucis, j'en ai une et voilà. Lui il manque de piles là, est-ce que je peux te recharger? Non, pas tant que tu taffes. Hein. Pardon, ça c'est pas à moi. Au moins il taffe, ok. On va aller ramasser des bûches. Enfin, c'est une bûche par une. J'aimerais un robot qui ramasse les bûches à ma place. On va se faire un robot qui fait ça. Hop. On va se créer des robots. Parce que moi je fais le malin en mode ouais j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça. Y a plus simple hein, juste y a plus simple. Là si je mets une bûche. Parce que là je taffe mais en vrai il faut surtout que j'optimise tout ça. D'accord, j'ai plus à utiliser ma hache du coup logiquement. C'est l'avantage, ça, c'est que ça ne consomme pas de hache. Ok, donc on va peut-être faire en sorte que le robot qui récolte les bûches les coupe automatiquement. Je sais pas. Est-ce que ça vous semble être un bon plan? Moi, je ne sais pas. Un robot qui construit d'autres robots. Imaginez! Ouais, si j'ai optimisé le truc pour que j'ai des robots qui construisent d'autres robots. Ça serait assez drôle. Pas très utile, mais assez drôle. Ok. MK4, je vais pouvoir les renommer, c'est super. Je vais les renommer d'ailleurs. Je vais faire maintenant. Oh mince, on est vers la fin de la vidéo, c'est pas grave, on fera ça après. Alors attendez, est-ce que je peux... T'as plus de piles. Ok, donc je peux rien faire tant qu'il a pas de piles. MK01, donc toi tu es Cooper. Voilà, coupe. Très drôle comme nom. Non, c'est le coupeur d'arbre. MK3, toi tu es planteur. On va t'appeler planteur 1, parce qu'il y en aura sûrement plusieurs. Toi tu n'as plus de piles. Toi tu es pelleur. Tu es creuseur. Attends, il travaille. Je vais changer ton nom en fait hein. Juste laisse moi le temps. Voilà, MK2 tu es Creuseur 1. C'est important. Voilà. Et MK4, alors toi tu seras récolteur je suppose. Oula, attendez, je voulais pas le porter. Mince. Alors, MK4, retiens ce que je fais. Tu vas vers bûche. Tu ramasses bûche. Tu vas là-bas. Tu poses bûche. Et ensuite, tu fais pareil avec un bâton. Et tu vas poser bâton. C'est pas dur. Mince, non, pas déplacer. J'aimerais l'annuler celui-là, voilà.
Est-ce que ça te semble faisable? Est-ce que cela te semble faisable? Je pense que c'est... ça se tente, hein. Vas-y, fais-moi ça. Récolteur. Il n'y a plus qu'un KO disponible, donc ça tombe bien. J'ai claqué presque pile ce qu'il avait de masse. Il récolte. Ça méritera d'avoir à me déplacer, en fait. Ok, très très sympa comme jeu. Moi, je m'amuse bien. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire si ça vous intéresse que j'en fasse plus ou pas du tout. Et moi, sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine. Je vais sûrement continuer un petit peu de mon côté parce que j'avoue que je m'amuse bien. Si vraiment vous avez envie que je continue avec vous, ne vous inquiétez pas. Je pense que je recommencerai une partie en stream avec vous. Voilà, allez-y.